Un peu de poudre sur le nez, le peigne dans les cheveux, rougir les lèvres. Ce matin, nous allons rencontrer Ségolène Royal. Un ticket banlieue ministère de l'écologie en direct. Mettre une belle veste, mais surtout ne pas trop en faire. Ça y est, on se sent comme à une rentrée d'école. Faut dire qu'on l'a dit froide, distante, madame la ministre. On dit qu'elle n'est pas le genre de personne à qui faire la collade, à qui taper dans le dos. C'est sûr, ça va pas devenir une copine, Ségolène. Mais ça, ça nous va bien. On n'est pas contre un peu de distance en politique. Géographiquement, seuls quelques kilomètres nous séparent. Mais cette distance représente tout un monde. Va-t-on réussir à apercevoir ce qui se cache derrière le masque lisse de la femme politique ? We have the problem of controlling the diesel cars, as you know. Here, it was horrible. All the heads of newspapers said the commission has given in to the lobby of the diesel and without taking in consideration public health. Mm. So it was very, very bad. And myself, I was surprised by the decision. Yes. Understandable for the opinion. And at the beginning... Understandable. Understandable. Yeah. And I had the idea to come on Monday, but then nous avons réfléchi. We thought it through. We thought it through, and then I think it's not the best idea, because it's too improvisé. Improvised. Improvised, and my idea was to suspendre. To put on hold the decision. And maybe if we can announce that European Union is cooperating, yes. It will be something very, very fantastic. Exactly. Do you think it's possible? Because we have 25 days left. Yes. Yeah. Vous êtes là la semaine prochaine? Vous êtes à Paris? Sure. Are you here next week? It's not in my calendar, but if needed, I can come. Yes. Thank you very much. Thank you. On a un petit cadeau. On fera une photo. Ok, thank you very much. Thank you. Merci thank beaucoup, you. Madame. Emmanuel, c'est quoi la réunion maintenant? C'est quoi ma réunion là maintenant? Fessenheim. Fessenheim, et après je peux avoir un agenda? Alteo. Parfait. Speed. C'est Ségolène Royal ? Ouais. J'ai entendu Madame la ministre déjà ? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, elle avait l'air d'être. Ouais, ça me fait bizarre quand elle dit c'est sur quoi la réunion après ? Genre. Ouais, c'est ça. C'est difficile de se projeter, tu vois. Comment faire pour. Tu vois, moi, si ma journée, je sais pas, qu'à 14h j'ai ça, à 16h30 j'ai ça, à 17h j'ai ça, je suis lost, tu vois. Mais alors. À chaque fois, c'est les gens avec qui elle est. C'est des gens, tu vois, là, par exemple, tout à l'heure, c'était le gars... c'est pas l'épicier du coin, tu vois, c'est... Voilà, tu vois. C'était un... Ah, le vice-président de la commission, là. Vice-président de la commission. Oh, mais elle a de l'expérience. Ouais, elle a de l'expérience, et surtout, ça, elle a un staff. Elle a des équipes derrière, quoi. Tu as deux ministres. Ouais. Et tu peux enchaîner toute la journée les trucs. Genre ouais. Là, tout à l'heure, quand elle savait pas sur quoi c'était, elle a demandé c'est sur quoi. Après, elle a dit Fessenheim. À mon avis, dans sa tête, ça a dû faire clic. Ah oui, Fessenheim, blablabla. Ouais.
Il y a trop de gens ici, trop de gens en costume qui sortent. Ils ont tous quelque chose sous la main, style un cahier, ils sont habillés en costume, illustration avec ce monsieur. Et ils ont cette démarche de la personne occupée, tu vois, de la personne ne me dérangez pas, je vais d'un point A à un point B parce que je suis occupée. Comme quand tu marches dans la rue et que t'as pas envie qu'on te saoule. Voilà, exactement. C'est soit ça. Avec les gens de la Croix-Rouge, soit avec des robots. Ouais, ou avec une dame qui veut que tu l'aides à descendre sa poussette, tu fais genre t'es comme ça. Ah non, ça je fais ça. Ça tu fais? C'est vrai? C'est pas tout le monde qui fait ça. Bonjour. Bonjour. Moi, il revient. Et il revient le. Et il est encore plus occupé parce qu'il a encore plus de papiers. Vas-y. Don't disturb me. Alors, on va faire vite. Et puis après, vous allez continuer à travailler sans moi. Donc, c'est une chance d'avoir cette réunion de l'Agence internationale de l'énergie à quelques jours de la conférence de Paris. C'est une occasion en or. En or pour faire avancer les concepts, les idées, le prix du carbone, tout. Il faudrait sortir peut-être avec des projets grand public. Parce qu'on a géré le scandale Volkswagen. Et pendant ce temps-là, les Coréens, ils sont en train de mettre au point la voiture électrique d'autonomie 500 km et recharge en 30 minutes. Je veux dire, on ferait mieux quand même de s'allier aux Coréens pour faire la voiture électrique, la grand public du futur qui va sortir en 2017. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, en sortie de la réunion de l'agence, là, sous l'impulsion de la France, pays hôte de la COP, vous me suivez, une idée révolutionnaire à lancer qui va propulser les ministres de l'énergie dans le futur? Qu'est-ce que c'est, l'idée révolutionnaire? L'idée simple, c'est d'économiser de l'énergie, oui, par des systèmes qui vont permettre... Mais ça, c'est les compteurs intelligents, ça. Il n'y a pas que ça. Dans tous les domaines, vous avez du big data, vous avez la totalité... Oui, mais ça, oui. Il faut transformer ça en projet. Pour moi, le projet... Enfin, on ne va pas le faire là, mais vous voyez, il faut que j'y aille, parce que là, j'ai mes trois autres prochains rendez-vous qui sont déjà là. Merci. Vous n'êtes pas trop fatigué de revenir de Chine, faire des réunions, de décider des choses en... Ça se passe comment? Enfin, parce que déjà, nous, on est déjà un peu fatigués. Hein, oui. On arrive que c'est quand même plus simple. Il faut être concentré, hein, en plus. Hein. Voilà, c'est ça, décider quel dîner, quelle personne inviter. Oui, et puis, en plus, passer un peu d'un sujet à l'autre, on parle très énergétique, du numérique, des savoir transports. Savoir comment tremper les enveloppes. Vous étiez là tout à l'heure, à la réunion Vous déjeunez, non? Non, on n'était pas là. Du coup, comment ça se passe? Quand on vous dit, ah, bah, c'est une réunion sur ça, dans votre cerveau, ça se déclenche et... Hop, ça se déclenche. Je change de logiciel. Clic. Il y a Raphaël qui tourne une petite clé. Pof. C'est quand même pas une machine. Non, non. Pas. Non, mais du coup, on aura plein de questions comme ça. Vu oui, bien oui. On a vu que... Enfin, mais je pense qu'on ne pense pas à la fatigue, parce qu'on se dit qu'il reste 25 jours, que c'est un enjeu majeur, qu'on y travaille depuis des mois. Et voilà. Mais ça fait combien de temps que vous y travaillez sur la COP21, oui. Ça demande combien de temps de préparation un événement comme celui-là? Comme j'ai eu ma loi, là, donc oui, je me suis mise vraiment depuis la rentrée, en fait. Oui. Oui, le mois d'août. Et en tant que ministre, vous ne pouvez pas un jour dire « Non, ce matin, je reste au lit, je ne viens pas, je fais un arrêt maladie. » Non, ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça vous est jamais arrivé? Non, jamais. Un rendez-vous ici, un autre là. Les heures s'enchaînent plus vite que ces réunions. Autour de cette super DRH, la ronde des conseillers semble sans fin. Ségolène Royal passe d'une équipe à l'autre, d'un sujet à l'autre. C'est ça, un emploi du temps de ministre? Et dans ces journées qui s'éternisent, a-t-elle le temps d'une pause, d'un 4 heures, d'un kinder? Et c'est quoi exactement le boulot d'une ministre? Faire tourner la boutique? Chef d'orchestre? Directrice de communication? L'horloge tourne et on se demande dans quel état nous allons la retrouver, la ministre. Las, fatigué, agacé. Le prix de la catégorie, donc éducation à AgroParis Tech, recycler, autoproduire et bien manger. Et on passe maintenant, Emmanuel, à la catégorie littérature verte, qui est notre dernière catégorie. Marc, est-ce que vous voulez commencer? Oui, avec plaisir. Moi, c'est Terre promise tout de suite, la BD. C'est essayer de faire ce que je fais depuis des années, de mettre de l'humour dans l'écologie, de montrer la légèreté. Et c'est très, très, très difficile. Donc, je vous demande tous de voter pour la BD. C'est ce qui s'est passé à chaque fois. J'ai fini. Thomas?
la mère est peut-être, je dirais, l'acteur qui n'est pas présent à la COP 21. La Terre est comme un vaisseau spatial avec une atmosphère, un équipage, des ressources qui ne sont pas illimitées et une destination inconnue. Voilà. Madame la ministre, vous allez avoir la voix qui va trancher. Je vais trancher. Parce qu'on arrive à l'égalité parfaite. Je vais trancher, je vais choisir ce que personne n'a choisi. La Terre est bleue. D'abord, parce que c'est un bel objet livre. Ensuite, parce que ça manquait. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utile et qui est très beau. Oui, c'est un bel objet. Voilà. Et puis, ça reprend. Bon, ben, on arrive au terme de cette délibération. On boit du champagne. On va boire du champagne. Je vous rappelle donc... Merci. Vous êtes personnalité pour discerner des prix dans le domaine environnemental, évidemment. Comment on fait pour mobiliser la société civile? On a souvent l'idée que l'écologie, c'est un sujet de riche, entre guillemets. Comment on fait pour mobiliser toute la société civile, y compris les personnes les plus modestes? Eh bien, on leur montre que eux aussi peuvent être touchés par le réchauffement climatique, d'une part, et d'autre part que s'ils font des actions positives, ça va aussi leur faire du bien à eux, ou leur faire du bien en termes de pouvoir d'achat, parce que par exemple, s'ils économisent l'énergie, ils auront moins de factures, ou leur faire du bien parce que si on pollue moins, sur la santé publique, c'est important. Vous voyez, donc c'est se sentir concerné, impliqué, et montrer à tout le monde que si tout le monde agit, on y arrivera. C'est pour le bien-être de tout le monde. Et voilà. Moi, je voulais vous demander, Madame la Ministre, comment est-ce qu'on fait pour porter cette mission grave avec un peu de légèreté dont parlait l'humoriste Marc Jolivet? C'est important ce qu'il a dit, d'ailleurs, parce que si on ne sort pas du discours catastrophiste, les gens vont se replier sur leurs égoïsmes. Ils vont dire, c'est terrible, de toute façon, c'est pas parce que moi je ferai un effort que ça va changer quelque chose. Donc pour sortir de ce constat finalement, de l'impossibilité d'agir, parce que les catastrophes sont tellement grandes que les gens se diront, après moi le déluge, au sens propre comme au sens figuré, il faut leur montrer que si, qu'on peut renverser la tendance et être très efficace en agissant rapidement. D'accord. Merci. Merci. Au revoir. Assis-toi. Okay. Maman, tu veux du café? Oui, je vais bien. Papa, fais voir la photo, là. C'est ça. C'est où, ça? C'est en quelle année? Voilà, j'ai grandi ici. C'est les montagnes de la Kabylie. Et t'avais quel âge? Je vais avoir à peu près 22 ans ici. En fait, t'es passé de la montagne. Voilà, je suis passé de la montagne. Ah, un HLM, un osier sec. Voilà, c'est comme si on prend quelqu'un de l'Afrique, on l'amène direct en Sibérie. Est-ce que t'avais l'impression d'être un Indien dans la ville? Je sais pas si tu connais ce film. Un petit peu, oui. Tu connais? Ben, qu'il manque juste les flèches. Oui, il manque les flèches, ouais. C'est ça, hein? C'est la nature, c'est bio, c'est quelque chose. C'est la nature. Tu respires de l'air. Il n'y a pas la pollution. Ça n'existait pas. Mais en fait, le bled, comme quand je vois sur cette photo, tu vois, vous mangez bio sans réfléchir, tu vois. Tu allais dans le jardin, ta mère a dit, va me chercher de la salade ou des oignons. Tout simplement, ouais. Sans réfléchir, on mange ça, je suis grande avec ça. Moi, C'est un luxe, en fait, aujourd'hui, de manger bio. C'est maintenant que je me suis rendu compte. T'as vu? C'est maintenant. Ouais. Par exemple, maintenant, quand tu vas dans un magasin, au rayon bio, t'as vu comment c'est cher? Ah, c'est très cher. C'est très cher. Ouais, par rapport aux autres, Moi, j'arrête pas acheter le bio à chaque fois parce que c'est cher. Mm. Moi, j'ai fait les courses beaucoup pour votre enfant. Je peux pas. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, en ce moment, on est en train d'interviewer Ségolène Royal, tu vois. Oui. Parce qu'elle, c'est la ministre de l'écologie et du développement durable et de l'énergie. Ouais. Et du coup, pour elle, c'est important de manger bio, c'est important de trier ses déchets. Vous triez vos déchets? Ah, bien sûr. Tout le temps. Mais pourquoi? Ça a toujours été comme ça. Ça commence par les petits et ça va chez les grands. Mm. Bon, la population, elle trie, après ça va au gouvernement. Le gouvernement, il est en train de faire la réunion mondiale, là.
le climat qui un jour il fait chaud, un jour il fait froid, d'un coup la température change de 10 degrés, c'est tout ça. Mm. Ça va toucher tout le monde. Mon père, quel citoyen modèle. À lui donc les petites actions et aux politiques les grandes manœuvres. Nous quittons Bondy pour l'Assemblée nationale. C'est à deux pas du ministère de l'écologie. Et il n'y a pas à dire, maintenant, on connaît le quartier. Tous les mardis, les ministres viennent y répondre aux questions des représentants du peuple. Le Palais Bourbon, elle aurait aimé y siéger, Ségolène Royal, option présidente. Loupée, elle n'a même pas été élue députée. On l'y retrouve aujourd'hui dans l'espace VIP des journalistes, la salle des quatre colonnes. Chaque média vient ici faire son marché à l'affût de petites phrases ou de grandes déclarations. La garde. Mais Jean-Sylvie Schmitt a continué à être un militant inlassable du fait que la France et l'Allemagne devaient montrer un chemin en Europe. Je trouve que ça montre bien la collision entre le monde politique et le monde médiatique, en fait, parce qu'ils sont tous là en train d'attendre qu'ils lâchent un truc, qu'ils sortent un truc. Ouais. Et se trouve, ils vont rien dire, se trouve, il y en a, ils vont pas s'arrêter parce qu'ils seront énervés, c'est pas leur journée. Ouais, toi, t'es là et t'attends. C'est bizarre comme spectacle. En tout cas, la plupart des journalistes ou des preneurs, des caméramans et tout, ils sont jeunes, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est les stagiaires qu'on envoie à l'Assemblée nationale? C'est bien parce qu'il y en a, il y a des hommes politiques qui sortent, personne ne sait qui ils sont. Non, grave. Personne n'a envie de leur... personne les calcule, genre, ils sortent comme ça. Et moi, ça me fait la peine parce que tu vois, dans l'espoir de certains, ils disent peut-être je vais me faire interroger, ouais. Peut-être je vais passer à la télé et après. Bah, il faut qu'ils parlent d'islam, on ne saurait pas si ils seront interrogés. C'est la mort de la réforme fiscale. La loi Macron 2, si vous. Ils ont eu de la chance, les Allemands, ils ont eu de grands chanceliers, vous savez, entre Helmut Schmidt et Helmut Kohl, de grands chanceliers. J'ai vraiment l'impression qu'on tient les murs. Ouais. Est-ce qu'il y a un successeur, selon vous? Est-ce que l'Europe est en panne? Sur la loi Macron 2, Madame Royal, s'il vous plaît, Madame Royal. Eh ben c'est un homme d'État de premier plan qui disparaît, qui a beaucoup fait pour la construction de l'Europe. Dans le cadre de l'amitié franco-allemande. L'Allemagne perd un grand chef d'État qui aura marqué son époque et qui aura marqué l'étape dans la progression de la construction de l'Europe. Et c'est une bonne chose que l'Assemblée nationale lui ait rendu spontanément hommage. Oui, du coup, on avait deux petites questions. Vas-y, Kaina. On voulait vous demander, Madame la Ministre, comment vous faites au quotidien pour avoir toujours le bon mot à répondre aux journalistes avec tout plein de questions en même temps? Oui. Comment vous faites pour trier C'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Je pense. C'est l'expérience. Ouais. Moi, j'avais une autre question, c'est quel souvenir vous gardez des débats sur la loi de transition énergétique? Très bon. Ici à l'Assemblée. C'est fatigant parce que c'était très intense, il y avait plusieurs nuits d'affilée. Mais il a fallu apporter l'attention de tous les instants. Parce que c'était très difficile au départ, il n'y avait pas du tout de consensus, donc il a fallu travailler pour faire émerger ce consensus. Merci. Madame, une réaction sur le décès de Helmut Schmidt? Oui, c'est un grand chef d'État qui disparaît et qui va laisser une œuvre très importante dans la construction de l'Europe. Être ministre, c'est aussi répéter la même chose, souvent, tout le temps. Mais comment faire pour arriver à ressasser le même message en donnant l'impression du nouveau et de l'inédit? Question préparation, Léna, ça semble aussi bien que le cours Florent. Depuis que nous la suivons, elle est courtoise, tout sourire, Madame la Ministre. Un sourire en pilote automatique. Mais si peu de temps à nous consacrer, toujours entre deux portes, entre deux urgences. Alors, nous attendons impatiemment notre grand moment, l'interview. Madame la Ministre, d'abord merci de nous avoir accordé tout ce temps pendant ces jours où on a eu l'occasion de vous suivre. Mmh. Le Bondy Blog, c'est aussi donner la voix à ceux qui ne l'ont pas. Et parmi ces gens-là, il y a mes parents qui ont une petite question à vous poser. Donc je vais vous passer l'iPad pour vous montrer la question de mes parents. Ouais.
Alors, que disent les parents ? Je vais appuyer sur la lecture. Oui, bonjour Madame la Ministre, je voudrais vous poser une question. Oui. Moi j'ai grandi dans la nature, en Algérie. Ils sont en Algérie ? Au cabinet, c'est la nature. Ils ont grandi en Algérie. Oui. Et maintenant j'ai 8 enfants ici, en Saint-Denis. Je voudrais savoir comment je vais leur offrir ce que j'ai vécu moi, bio, nature. Merci. Mais vous savez, en France aussi, c'était bio et nature, oui, à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y a eu une intensification de l'agriculture, et heureusement, on revient à des valeurs fondamentales. On revient à l'agriculture naturelle, et maintenant, dans tous les territoires, je vois qu'il y a l'agriculture bio, les circuits courts, les magasins fermiers. Voilà, même ici, dans le ministère, j'ai arrêté les pesticides. Vous vous rendez compte qu'avant moi, aucun ministre de l'Environnement n'avait le réflexe d'arrêter les pesticides. Parce que moi aussi, j'ai vécu 20 ans... dans un village rural de mon enfance. Donc je suis très sensibilisée aux questions de la nature. On a vu que les réunions se suivaient, que les voyages se succédaient. Vous êtes partie en Chine, vous êtes partie un peu en France aussi. Comment on apprend à combattre la fatigue ? Comment on fait pour être au top tout le temps ? Moi, quand je fais Paris-Bondy, je suis épuisée, hein, personnellement. Alors vous, comment vous faites ? Parce qu'on ne pense pas à soi, en fait. On voit que les gens sont contents. Là, ça m'a ressourcée parce que j'ai vu que 60 de maires ruraux de toute la France. Donc ça dure 1h30, mais c'est 1h30 où je reprends de l'énergie au contact des gens qui sont contents, qui ont fait du bon travail, que je félicite, que j'aide. Je vois plein de joie dans leurs yeux. Et je recharge mes batteries. C'est de l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Je recharge mes batteries au contact des gens qui sont contents du travail. Aujourd'hui, quelle est la plus grosse concession que vous aviez dû faire pour votre, oui, pour votre carrière ? C'est le temps. C'est le temps. C'est tout, la concession du temps. C'est pas de prendre de suffisamment de temps pour soi. Soi ou pour ses proches, ou même si, bon... Les femmes, finalement, donnent toujours plus de temps aux autres qu'à elles-mêmes. Ça, c'est bien connu. Vous regrettez de ne pas avoir une vie normale, entre guillemets ? Non, entre pas du guillemets. Tout. Parce que j'ai quand même la force de bien équilibrer les choses. C'est quoi le pire moment de machisme que vous avez eu à vivre, vous, dans votre... Il y a eu beaucoup. Il y en a eu trop pour en élire un. Même la contestation du... Parce que j'étais femme candidate à la présidentielle. Je voyais même dans mon camp les hommes qui me regardaient. Ils disaient, mais c'est pas sa place. Et sur le choix de la politique, parce que moi, l'engagement politique m'a toujours intéressée. Oui. Après, je me suis rendu compte que finalement, on n'est pas toujours soi-même quand on fait ça. Et vous avez toujours voulu faire ça ? Oui. Même tout ce poids qui peut s'accompagner vous a pas arrêté ? Oui. Bien sûr, même toujours. Même jeune, oui. Même jeune. Mais jamais je me disais que ça allait m'arriver, que j'allais me projeter dans cette perspective. J'ai aussi des opportunités que j'ai su saisir. Et vous diriez quoi à Ségolène Royal, petite fille, si vous pouviez la voir ? D'être soi-même. D'être soi-même. Voilà, et de saisir les opportunités qui passent. D'accord. De se faire confiance. Les femmes ne se font pas souvent confiance. Vous savez, moi, j'ai souvent raconté, d'ailleurs, ça. Je ne savais pas parler en public, par exemple. Jusqu'à très longtemps, jusqu'à peut-être l'âge de 25 ans, je m'exprimais très peu en public. C'est quand j'ai fait mes premières campagnes électorales que j'ai commencé à parler en public. Et est-ce que vous avez déjà songé à arrêter ? Et comment vous pensez à ce moment-là ? Comment on envisage, parce que vous êtes une femme très active, alors comment faire pour se projeter en ce moment-là ? Ah, j'ai aucun problème de ce point de vue. Je peux faire plein de choses. Ah non, j'ai pas du tout... Je connais des gens qui ont l'angoisse du vide ou de l'après. Moi, pas du tout, du tout. D'abord parce que sur les questions environnementales, il y a énormément de choses à faire, quel que soit le domaine. Ensuite, parce que je peux créer mon entreprise. Donc, je suis indépendante, autonome. Voilà. Merci. Merci à vous. C'est posé une bonne question, moi. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous également. Merci, moi aussi. Et puis, on va vous amener voir les abeilles. Donc, il y a Raphaël qui... Hein, Raphaël, vous emmenez voir les abeilles ? Ouais, très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci. Est-ce pour éviter qu'on ne la pique que Ségolène nous envoie observer les abeilles ? Ou est-ce une invitation polie à quitter les lieux ? La nuit tombée, nous voilà donc passés de journaliste à apicultrice. Face à nous, les abeilles s'affairent. Au centre, la reine.
on retrouve une dernière fois Ségolène Royal entourée d'un essaim de journalistes. Les flashs crépitent et dans les yeux de Ségolène Royal, toujours cette même lueur insaisissable, ce sourire machinal. Lâcher prise juste un instant, tomber le masque, se poser un moment. Tout cela, ce n'est pas elle. Comme si Ségolène Royal n'existait que dans le tourbillon du pouvoir. Nos routes se séparent là. Et alors que Ségolène s'en va sauver la planète, nous, pauvres mortels, continuons de rêver, le regard perdu dans la Seine. We'll be right back.